Hey, bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Evi Maoete. On se retrouve pour un nouveau sujet aujourd'hui, mais avant de l'aborder, passons à l'intro. Let's go! Oui, la famille, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler de 5 choses à savoir avant de venir en Russie. Et oui, j'entends certaines personnes déjà commencer à se poser des questions. Pourquoi seulement la Russie? Généralement, lorsqu'on prépare un voyage, on n'a pas toujours tendance à se poser de bonnes questions, à se renseigner sur l'état du pays où l'on veut aller. Et oui, je vis en Russie, ça fera maintenant 2 ans, j'en ai de l'expérience. Voilà pourquoi je voulais le partager avec vous, vous qui projetez de faire un voyage en Russie, peu importe soit la nature de votre voyage, mais à la base, vous devriez savoir ce qui vous attend et c'est à quoi s'attendre. Trêve des discussions, passons à la première chose qui est l'emplacement. C'est tout bête, mais il faut savoir situer la Russie sur la carte du monde. Longtemps, j'ai entendu certaines personnes dire que la Russie s'est retrouvée au cœur de l'Asie. Et moi, j'ai dit c'est faux. La Russie couvre une partie à l'est de l'Europe et une partie au nord de l'Asie. Voilà la première des choses à savoir sur l'emplacement de la Russie sur la carte du monde. Passons à la deuxième chose à savoir. La deuxième chose, c'est la langue. Et oui, en Russie, la langue, elle est bien plus importante. Il faudra la connaître, il faudra la maîtriser. C'est la langue russe, la langue qui est parlée différemment dans le monde. Oui, j'ai entendu certains me dire que c'est la langue la plus difficile au monde, qui vient tout de suite après le chinois. Eh ben ouais. Certaines personnes, oui, maîtrisent l'anglais, d'autres le français, mais c'est une minorité. La majeure partie de personnes qui vivent ici, les autochtones pour ainsi dire, sont de personnes qui parlent, qui ne connaissent que la langue russe. D'où il va vous falloir apprendre la langue. Enfin, le base simplement qui va vous permettre d'échanger avec certaines personnes qui pourra bien vous aider à votre arrivée. Sans plus tarder, passons à la troisième chose à savoir et la culture. Eh ben oui, la culture, elle diffère d'un peuple à un autre. Le russe ont une culture beaucoup plus développée vu qu'il y a un mixage de la population. Ça, je ne veux pas une fois de plus refaire l'histoire pour que vous compreniez, mais seule chose à retenir concernant la culture est que le russe sont vraiment attachés à leur culture de par la mentalité, la manière de vivre, ainsi que tout ce qui va avec. Sont à la quatrième chose qui est la bouffe. Oui, la nourriture. Ben ouais, la nourriture dans certains pays, ça fait partie exactement de la culture. Mais ici, je pense qu'elle diffère vraiment d'une famille à une autre. Combien même il y a de nourritures qui sont nationales, il y a des nourritures qui diffèrent totalement de ce que vous connaissez, mais vous devriez vous habituer au fur et à mesure pour être accepté. Il va falloir non pas faire avec, mais les apprécier au fur et à mesure que vous vivrez ici. Pour la première fois, c'est un tout petit peu difficile de s'y habituer, mais au fur et à mesure, on arrive toujours d'en tomber amoureux de l'une ou de l'autre carrément. Ah oui, ça peut arriver. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Passons à la dernière qui est le froid. Ah ouais, nous savons tous dans le monde que la Russie est réputée pour être un pays de grand froid. En tout cas, ça, nous ne sommes pas sortis de l'auberge parce qu'il est bel et bien réel qu'en Russie, il fait très froid, peu importe soit la saison de l'année où vous atterrissez en Russie. Il va falloir vous apprêter avec de manteaux, jaquettes, ainsi que tout ce qui va avec. Avec ces 5 choses, on peut commencer à préparer son voyage. Et si vous êtes prêt, je vous souhaite la bienvenue en Russie. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre plein de pouces bleus. Et si vous connaissez pas mal d'histoires sur la Russie, veuillez me les écrire en commentaire. Ça aidera pas mal de gens. Et surtout, vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de prochaines vidéos. Sur cette note, moi je vous dis ciao, ciao, ciao la famille.